Eh, parce qu'en fait, des fois, on croit que le système racinaire, on va le mettre hyper profond, là. Comme ça, il va aller chercher la fraîcheur. Et en fait, il végète en bas et il repart d'en haut. Et il s'ancre en haut. Et ça, c'est fréquent. L'erreur fréquente, c'est dans un sol hydromorphe, on n'est pas très loin du compte, descendre les racines à moins 40 en se disant que la plante, elle va choper de la fraîcheur. Mais en fait, à moins 40, il n'y a pas d'air. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de racine. Donc généralement, les racines en bas végètent. On se retrouve avec un petit poquet végété. Et on a des racines qui partent de plus bas, de plus haut, et qui redescendent. Et c'est comme ça que la vigne s'ancre. Et le risque de ça, c'est qu'on a non seulement des racines qui descendent, mais en plus de ça, sur ces racines, s'il y en a une qui se retrouve un tout petit peu à l'air, on se retrouve avec un porte-greffe qui sort. Donc c'est un peu dommage. Mais ça, c'est un peu compliqué parce que les pépiniéristes, ils ont une machine qui coupe les sarments en trois. Ils reçoivent des sarments d'un mètre et crac, ils coupent les sarments en trois. Donc soit ils font des sarments en trois, donc ils vous donnent des greffés soudés qui font 33. Soit ils ont des fois des machines qui coupent en 4 et ça fait 25, ça c'est plus rare. Et ou alors, vous pouvez leur demander de couper en deux et dans ce cas-là, vous avez des greffés soudés longs qui vous vendent plus cher, qui font 50. Il y en a qui le font. Oui, et qui mettent les greffes à cet endroit-là. Oui. Ça existe. Ouais. C'est pratique pour regreffer. Bon, donc ça veut dire que si ça là, il va bien falloir faire quelque chose. Oui, c'est la taille surtout. Si je coupe très court et que je rase, je risque de faire pourrir une partie du porte-greffe. Bon, peut-être qu'il s'en accommodera, mais c'est dommage. Donc en fait, j'ai pas de porte de sortie. La question c'est, il faudrait que je coupe et que ça ressorte pas. Donc pour que ça ressorte pas, il va falloir que je laisse pas mal de charge ici. Vous voyez, la stratégie, c'est de dire, je coupe et là, je vais laisser plus de charge que ce que j'aurais laissé d'habitude. Au lieu de laisser 5 bourgeons, je vais en laisser 8. En essayant de faire quand même démarrer les coursons correctement. Mais je vais en laisser 8, pourquoi? Parce que si j'ai beaucoup d'énergie qui part là, il y a de fortes chances que le bas démarre moins, que ça ressorte moins quelque part. Alors après, il y a un truc qui fonctionne, mais il faut oser se le taper, c'est la chambre à air. C'est-à-dire que là, vous faites ça, vous dégagez un peu, vous coupez et vous entourez une chambre à air que vous serrez un peu et vous remettez la terre. Et le fait de priver le milieu d'air, quand le bourgeon va sortir, il n'y aura pas de lumière, pas d'air, il va mourir. Et 2 ans plus tard, la chambre à air, vous la mettez juste autour, mais vous faites pas de nœud. Vous la serrez juste comme ça. Et ça va se détendre et vous avez des chances que ça fonctionne. Alors du truc que tu mets pour le greffage, là, du mastic? Non, le scotch là qui se prend. Ah ouais, ouais. Faut se méfier parce que le scotch à greffage, il a tendance à être justement fait pour pouvoir relâcher. Là, vous voyez, on a vraiment ce que je disais là, un poquet de racines qui repart de là. C'est pour ça que ce serait intéressant de l'arracher, lui, voir la gueule que ça a au fond, en fait. Et donc, si je fais ça, forcément, ben, je le blesse pas, mais ça va. Quasiment, c'est quasiment sûr que ça va repartir. Ouais. Et ça franchit. Et en fait, ça finit par un truc où tu es obligé de recouper tous les ans. Vous n'avez rien à faire d'autre que de recouper là et puis de remettre de la terre par-dessus en espérant qu'il y a assez de terre pour asphyxier le bazar, quoi. Ou alors mettre ce caoutchouc. Si vous voyez que vous en avez un certain pourcentage, je vais pas me laisser dépasser. Ben, vous avez une chambre à air de tracteur, vous avez des coupes en bande et vous foutez ça autour. Ceux de vélo sont plus fines. C'est du vélo, mais ça. Ouais. Mais en fait, moi j'ai compris ça. Il faut essayer, ça marche bien même sur les arbres fruitiers. Vous savez, quand vous avez toutes ces pousses là, ouais. L'endroit où vous avez la pousse, vous mettez cette chambre à air là et ça fonctionne. Vous faites ça 2 ans, mais comme le cambium refabrique du bois par-dessus, ça recouvre. Et au bout d'un moment, quand les yeux sont recouverts, ils deviennent proventifs. Ils sont à l'intérieur, ils ne se développent pas nécessairement. Ça marche aussi sur le gui. Le gui, si vous le coupez à ras, il repart. Si vous le coupez et que vous mettez une chambre à air, il ne repart pas.